Bonjour tout le monde, même bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une dégustation des pâtes carbonara. C'est vrai que la dernière fois, j'avais fait une vidéo par rapport à ça et je vous ai pas montré. La dégustation, comment c'était bon, c'était voilà. Donc je vous ai juste montré, comment je fais le repas, comment je fais les pâtes, tout ça. Je vous ai juste montré ça. Mais là maintenant, je vais vous montrer la dégustation, genre la crème fraîche, voir comment je fais, comment je mange, comment je goûte ça. Donc voilà, donc. On va voir, là je suis en train de préparer les pâtes, donc on va voir ça et allez, à tout de suite. Bon, bref, voilà. Là je suis en train de faire mon état, je descends un peu. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire les lardons. Et là les pâtes. Donc voilà, donc ça va être, c'est prêt. Voilà. Donc, je vais mettre j'ai ma passoire. Je vais les mettre, donc je vais les préparer. Mon assiette. La crème fraîche. Nous, la crème fraîche. Voilà. Le sel. Je mets du sel. Bon, là, pour cette fois, je mets pas de beurre. Ça dépend des pâtes. Ça dépend. Parce que, voilà. Si c'est des pâtes comme ça. Si c'est des pâtes par exemple comme ça ou voilà des petites qui sont moins chères, là je mets du beurre. Mais si c'est des pâtes comme ça, attendez, je vais vous montrer. Voilà, si c'est des pâtes comme ça, je mets du beurre. Tu vois les marques, les trucs comme ça, les trucs rouges, voilà. Et si c'est vraiment des prix qui sont vraiment moins chers, je mets du beurre pour me donner du goût comme ça. Voilà. Donc bon, je vais faire les pas. Bon, je crois que ça m'a l'air terminé tout ça. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Rebonsoir tout le monde. Bah là, on se retrouve pour une dégustation. Regardez, pour une dégustation. Allez, voilà, tout est sur la table. Il manque, voilà, j'ai le, bon, pas le sucre. Ça compte pas, ça c'est pour le matin. Voilà. Ah, c'est bon. Bon, voilà, donc on va voir comment je mets. Donc voilà. Bon, pour commencer, les pâtes sont bien cuites. Bien sûr, donc on va commencer à mettre la crème fraîche, la pâte, donc voilà. Donc on en met, je vais en mettre un, je crois que je vais tout mettre le pot. Ouais, heureusement j'en ai d'autres. Hein. J'ai d'autres pots alors. Voilà. Voilà. Donc je mélange. Voilà. Non. Il en reste encore, je vais le finir. Voilà.
Ok. Ça, c'est bon. J'ai mis de la crème fraîche. Bon, avant, il faut mettre du beurre. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, sur ces pâtes-là, je ne mets pas de beurre. Là, je mets les lardons. Les lardons, mais et après je mélange. Donc voilà. Putain. Là c'est bon. Hein. Voilà, bon maintenant on va goûter, mais avant de goûter, je vais mettre du sel. Voilà. Voilà, donc on mélange bien. Voilà. Voilà, prêt pour une dégustation. On va goûter. On va voir si c'est bon. Donc on va voir. C'est bon, hein. Moi ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est les PEA là. C'est comme ça qu'on fait des pâtes carbonara. Normalement, j'aurais dû me prendre un œuf. Avec un œuf. Mais bon. Peut-être avec un œuf, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc je voulais sur cette fin. Je vous dis bon appétit aux personnes qui mangent. Voilà. Et ben moi j'ai mangé, je vais me régaler et voilà. Je vous dis à la prochaine et bon appétit. Allez, au revoir. Ciao.